c'est pour ça que je vous pose le plus de questions possible. Par conséquent, quand j'attends une huissier, si j'attends une huissier, comment est-ce que je peux dire? Si j'attends une huissier et que je vous dis j'attends l'huissier pour procéder au contrôle, pourquoi est-ce que vous dites que c'est un obstacle à l'instruction? J'ai tendance à filmer souvent. Bon, juste que les choses soient bien claires. J'attends donc un huissier, vous estimez que vous êtes un huissier et une entrave à justice. Non, c'est pas une entrave à justice. L'huissier, je suppose. D'aucune aide, je vous l'ai déjà dit. Je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez me répondre si vous avez une question? Tu peux arrêter de filmer, s'il vous plaît. Arrêtez de filmer. C'est dans mon droit, monsieur. Tu peux filmer, pas les visages. Ok, pas de visage. Je vais juste répondre à ma question, s'il vous plaît, deux secondes. Est-ce que le fait d'attendre l'huissier. Franchement, Laurent Billy. Ouais, merci. Merci du conseil. Consiste un obstacle à la justice. Et c'est la question que je vous pose. Le fait Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer would be, it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn, as he promised he will always be there to bless us with his love and his mercy, cause as he promised he will always be there, he's always watching us, guiding us. C'est parti, sur l'éducation nationale et... Vous ne pouvez pas répondre. Oui, vous pouvez pas filmer, vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps. Ah, détrompez-vous, monsieur. Vous savez, nous, les femmes, on peut faire plusieurs choses en même temps. Hein. Vous inquiétez pas. Subhanallah, capable of everything, we should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ فخير شيخ سير ce message alors d'une urgence cruciale vous est envoyé aujourd'hui du sein de l'école privée musulmane Al-Badr à Toulouse à cette heure-ci où on est à peu près vers les alentours de 20h10. Encore un message d'urgence à mes frères et à mes sœurs, parce qu'on court, pour ceux qui ont suivi toute l'affaire qui a été médiatisée l'année dernière suite aux intimidations, suite aux différentes gardes à vue, suite aux différentes accusations encore, on vient de frapper une autre fois au sein de l'école. Alors vers les alentours de 15h, alors que en tant que directeur j'étais absent de l'établissement, il y a eu à peu près 9, 10, 11 personnes qui sont venues se présentant en tant qu'inspecteur de travail. Alors il n'y avait pas que des inspecteurs, il y avait des inspecteurs de travail de la directe ainsi que des inspecteurs d'académie ainsi que des policiers avec eux, mais qui ne se sont pas présentés au début en tant que tels. Ils sont rentrés pour pouvoir faire des contrôles, on ne s'y est pas du tout opposé effectivement pour pouvoir que les choses se déroulent de la meilleure des façons. Quelque temps plus tard, il s'est avéré que ceux qui sont policiers, qui sont entrés, n'ont décliné aucunement leur identité et leur fonction en tant que policiers. Notre avocate nous avait dit qu'ils n'ont aucunement le droit d'y être sans une autorisation du magistrat ou du parquet. On avait demandé effectivement à notre directeur pédagogique, le frère Karim, avait demandé aux différentes personnes présentes de présenter effectivement leur carte pour qu'on fasse respecter la loi et du côté de tous, pas que de la part des musulmans qui aujourd'hui, je le redis, on le redira, on ne cessera de le redire, deviennent de la nourriture pour énormément d'ennemis des musulmans et de l'islam
Et l'état d'urgence a montré la haine que beaucoup ont dans le cœur envers cette communauté, mais que les musulmans ont peur de dire et de le dire haut et fort pour réagir et agir en face de l'injustice que beaucoup parmi nous subissent. On ouvre une école musulmane, ils se présentent, ils demandent la carte, chose qui est tout à fait normale. Donc, messieurs les policiers, vous n'avez pas le droit effectivement d'être présents ici. Sortez s'il vous plaît. Voilà le message qui leur a été dit très gentiment par notre responsable pédagogique. Une partie d'eux a accepté, mais ceux qui s'enflent effectivement d'orgueil, qui n'ont pas voulu le faire, insistent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils le prennent et ils l'amènent au commissariat. Je viens de recevoir il y a quelques instants l'appel effectivement donc d'une avocate ou d'un avocat qui me dit qu'ils l'ont mis en garde à vue. Et qu'il y a quelques instants, on m'a rappelé une deuxième fois pour me dire qu'il ne sera même pas auditionné cette nuit-là et qu'il sera obligé de passer la nuit en cellule, comme ça m'est arrivé l'année dernière à deux reprises. Mais rassurez-vous, alhamdoulilah, c'est un ibtila d'Allah Azza wa Jal, c'est une épreuve et ce n'est pas mort d'homme. Mais on agira effectivement jusqu'au bout en face de l'injustice. Simplement, ce que le policier lui avait dit, l'OPJ lui avait dit, vous faites entrave à la justice, alors qu'on avait demandé simplement la présence d'un huissier de justice, aussi simple que ça. Quand ils ont commencé effectivement à faire ce qu'ils veulent faire, en demandant de sortir de l'établissement parce qu'ils n'y étaient pas autorisés, ils n'avaient aucune autorisation d'un magistrat, alors on a voulu tout simplement, et tout simplement, qu'un huissier de justice assermenté soit présent pour constater ce refus. Et si on a tort, on a tort. Et si on a raison, on a raison. Où est le problème? Où est le problème? Aujourd'hui, notre cher frère Karim, une pensée pour lui, une pensée de doua pour lui. Je vous demande, chers frères et sœurs, de prier pour lui, de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, qu'il le fortifie et qu'il donne cette force et cette foi, parce qu'il ne fait qu'agir et intervenir dans cette communauté pour l'éducation et l'instruction de cette communauté-là. Ceci, c'est ce qui s'est passé, je le dis en quelques lignes, alors qu'aujourd'hui, la Oumma musulmane devient, disons-le et redisons-le une autre fois, une cible pour les haineux dans cette société-là. Une cible, ils prennent la place des juifs qu'ils ont pris il y a des années de ça. Parce que ce qu'on recherche, c'est simplement éduquer, instruire. Où est le problème? Quand on entend un ministre de l'éducation qui dit avec toute irresponsabilité qu'on va effectivement faire des contrôles encore, mais vis-à-vis de qui, envers qui? Envers les musulmans toujours. Toujours on va agir de cette façon qui est diamétralement et géométriquement plutôt variable sur le point du droit. Ici en France, pourquoi c'est les musulmans? Pourquoi Madame Belkacem ne dit pas qu'on va renforcer les contrôles dans les écoles juives? Pourquoi? Pourquoi ils se font respecter? Pourquoi c'est les musulmans que vous mettez en dessous de vos semelles? Pourquoi après plus de 3000 perquisitions, après avoir humilié beaucoup d'innocents, après avoir mis comme des chiens beaucoup d'innocents, tapés, mis à tabac, tabasser plusieurs citoyens musulmans innocents. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Quand elle parle du renforcement dans les écoles privées hors contrat de confession musulmane, c'est une irresponsabilité. Quand on entend un ministre de l'éducation, un premier ministre, et qui crache toujours leur venin sur les mêmes, la même communauté, les mêmes citoyens français de confession musulmane, on dit jusqu'à quand ça va partir? Jusqu'à quand ça va continuer comme ça? On dit jusqu'à quand on va continuer à être de la nourriture pour ces politiques? Jusqu'à quand? Quand notre frère est injustement placé en garde à vue et que ce que m'a dit l'avocat tout à l'heure, que c'est un scandale qu'il ne soit pas écouté ce soir pour voir ce qu'il en est vraiment, quelle entrave à la justice? Vous l'accusez de quelle entrave? Simplement, il a voulu faire valoir un droit, qu'un huissier de justice assermenté vienne et simplement fasse constat de ce qui se passe au sein de notre établissement privé. À la France tout entière, on dit une chose. Si les prisons françaises aujourd'hui sont remplies d'incarcérés de confession musulmane,
Je le dis et je mesure ce que je dis. Les écoles musulmanes en France participeront cruellement et efficacement à les vider par l'instruction, par l'éducation, par la sensibilisation. Mais tout ce qui est autour, les discours qui tournent autour en disant qu'on va déradicaliser dans les écoles publiques, c'est de la poudre aux yeux. Parce que je dis une chose et je mesure ce que je dis. Tous ceux qui sont partis rejoindre Daesh, tous ceux qui sont partis les rejoindre, tous émanent et sortent des écoles laïques, tous. Mais les écoles musulmanes participent à sensibiliser, à apprendre et à enseigner cet islam à ces jeunes. Et le défi a été lancé. Les écoles musulmanes ont réussi et vous ne réussirez jamais à le faire éteindre et à le faire fermer comme vous cherchez à le faire pour cette école-là. Et on continuera le travail avec fermeté contre l'injustice, dans le respect du cadre, mais fermement opposé à l'injustice de beaucoup de haineux, de beaucoup de racistes, de beaucoup d'islamophobes. Mais en même temps, je passe un message à cette Oumma. Réveillez-vous. Réveillez-vous. La peur nous a pris du dessous. J'ai appelé souvent à ne pas casser, à ne pas brûler, à ne pas insulter, mais simplement montrer une certaine opposition à l'injustice, au racisme de toutes les couleurs et de toutes les natures et envers n'importe quel citoyen de n'importe quelle confession sera là, fermement opposé à l'injustice, du racisme, de l'islamophobie, de l'antisémitisme et tout ce qui suit. On sera là, la Oumma musulmane. Ya Oummat Muhammad alayhi salatu wa salam. Ya Oummat Muhammad. Jusqu'à quand on va rester comme ça? Jusqu'à quand on va laisser les haineux marcher sur nous? Jusqu'à quand? Un message que je vous passe par amour fillah, par Allah. Jusqu'à quand? Quand on voit beaucoup, quand on suit cette affaire de très près. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il a fait le frère d'injuste ou d'illégal pour le lyncher comme un chien comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez les images. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que dans cette Oumma, ils ont réussi. Notre silence et notre peur a fait en sorte que beaucoup se mettent sur nous en tant que persécuteurs, en tant qu'oppresseurs, en tant qu'injustes. Et l'avait dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'avait dit. Beaucoup de communautés se mettront sur vous. Et les compagnons disaient, parce qu'on serait très peu, il leur a dit non, vous serez très nombreux. Mais comme l'écume de la mer. Comme l'écume de la mer. Parce que Allah va enlever la peur du cœur de vos ennemis. Il va mettre dans le vôtre al-wahan. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que l'wahan, ya Rasulallah? Il a dit, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Le fait de détester la mort et d'aimer ce monde. Avoir de l'aversion vers la mort. Et d'aimer ce monde-là. Nous, on dit à la France, à ceux qui sont au pouvoir, et je ne dis pas que toutes les personnes dans cette société sont injustes, il y a des justes, comme il y a des injustes, mais un message aux injustes, un message aux oppresseurs, un message aux persécuteurs. Écoutez bien, les écoles musulmanes pousseront et fleuriront en France. Et ils vont aider la France à retrouver un équilibre social. Un équilibre spirituel, un équilibre humain, un équilibre fraternel. Les écoles musulmanes aujourd'hui réussissent, mais avec le plus grand succès, à ramener les jeunes sur les rails, à ramener les jeunes sur le bon chemin, parce qu'en étant un bon musulman, il sera très certainement et sans aucun doute, sans l'once d'un doute, un excellent citoyen français par son éthique, par sa morale, par sa façon d'être. Arrêtez. Arrêtez de nous persécuter. Arrêtez de nous manger. L'injustice ne peut que revenir sur l'injuste. Quand on voit ces jeunes aujourd'hui faire ces actes de terrorisme et que nous, dans les écoles musulmanes, les jeunes nous écoutent, les jeunes nous aiment, contrairement à beaucoup d'écoles laïques publiques qui persécutent, qui insultent et qui mettent les élèves ainsi que les parents plus bas que terre. Pourquoi? Et c'est un message à cette ministre, à cette ministre de l'éducation.
L'éducation n'est pas qu'un simple mot. Dans quelque temps, vous ne serez plus là. Mais les vrais acteurs dans la société et sur le terrain continueront leur travail. Et on se rappellera de vous en tant que personne qui n'a fait que vouloir plaire aux autres, mais qui n'a rien fait pour que ça puisse s'améliorer. Et on le voit. De toute façon, la réussite ne passe pas par les beaux discours. La réussite passe par la réussite dans les faits, dans les actes, dans la morale, dans le comportement et la réussite scolaire en même temps. C'est comme ça qu'on voit la réussite. La réussite ne peut jamais passer par des discours politiquement beaux et socialement acheteurs de voix. À ma communauté, réveillons-nous. Réveillons-nous, c'est le moment de se réveiller qu'on arrête parce qu'on ne fait qu'éduquer et on veut participer pour que cette France soit meilleure dans quelques décennies, Inch'Allah ta'ala. Et rappelons-le, ceux qui sont venus d'une manière inopinée, sans rendez-vous, et ce n'est pas l'habitude, malheureusement, de l'inspection académique qui est envoyée, effectivement, et qui est sous les ordres de l'éducation nationale. Ils se coalisent, l'inspection de travail, l'inspection académique, pour pouvoir venir faire un contrôle inopiné. Moi, je rappelle juste une chose à cette inspection académique. Vous n'avez qu'à vous voir en face du miroir et voir l'échec scolaire qu'on a en France qui est criant, qui est voyant, mais sans microscope, à l'œil nu. Vous avez échoué votre mission dans cette société. Et les écoles musulmanes, je le rappelle, à titre d'exemple, le lycée Averroès, qui avait fini, il y a quelque temps, très peu de temps de ça, numéro 1 en France. Les musulmans, aujourd'hui, sont très bien intégrés dans un paysage français avec des écoles, avec une instruction d'excellence qu'on aimerait donner. On se coalise avec une inspection de travail d'une manière, excusez-moi de le dire, extrêmement basse, plutôt que d'aider ces écoles à monter pour l'intérêt et le bien des enfants de tous, on vient. Et c'est comme cette façon-là qui s'est passé, comme on m'a fait le compte-rendu, qu'on va contrôler effectivement s'il y a un radicalisme et s'il y a une instruction. Et vous le savez très bien, ça fait des années que je suis en train de mener cette éducation, cette instruction ici à Toulouse. Et vous savez très bien que je recherche avec mon équipe une instruction d'excellence, loin et très loin de l'instruction dans les écoles poubelles. Et je le dis, et à haute voix. Mettez-vous en face du miroir et faites le bilan de votre travail. La France est très loin d'être excellente dans son système scolaire. Et PISA, on n'a qu'à voir les résultats PISA que j'invite tous les citoyens à aller voir. La France, où est-ce qu'elle est classée? Très loin en bas. Et vous voulez aujourd'hui nous donner cette leçon? La question qui se pose aussi par le cabinet d'avocats, c'est est-ce que c'est le même magistrat qui s'acharne sur nous depuis maintenant quasiment 2 ans? On se pose cette question. Quel est votre but? Que recherchez-vous? Nous faire taire, me faire taire? Faire tomber l'école? Comme me faire tomber, comme m'avait dit un policier l'année dernière quand j'étais en garde à vue, qui est venu me voir en geôle, en cellule, en me disant « Ya Abdel Fattah, le ministère d'Intérieur veut te faire tomber. Pourquoi ?» Moi, je vous donne un conseil. Allez chercher ceux qui font exploser des bombes pour nous protéger et protéger, grâce à notre Créateur, cette société-là. Allez plutôt que venir nous agacer, nous persécuter alors qu'on est en train de participer dans la réforme de cette société française. Musulmans, certes, on l'est, mais fiers de l'être. On vous aidera, on participera, mais arrêtez. Arrêtez votre persécution. Vous ne nous intimidez pas. Vous ne nous faites pas peur, mais sachez-le, on continuera le travail, la réforme avec notre foi, notre spiritualité. Et l'injuste ne nous fera pas revenir en arrière, ne nous fera aucunement et sans aucun doute revenir en arrière. Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est protéger nos enfants, les éduquer, les instruire, que ce soit des vrais citoyens, mais ils ont une foi. Et c'est ça que beaucoup d'injustes veulent faire éteindre. Et jamais elle ne s'éteindra cette foi-là dans le cœur d'un croyant. Et je finis juste avec ça. Parce que, d'après les informations que j'ai, un message à ces musulmans ennemis d'eux-mêmes et qui participent avec eux, et qui sont en train, je le dis à la Ummah,
Je le dis pour qu'elle le sache. Vous savez, j'ai fait le tour de la France et c'est étonnant. C'est grandement étonnant de voir beaucoup de mosquées, beaucoup d'associations, beaucoup d'écoles se faire autodémolir par les musulmans eux-mêmes. Et un ennemi des musulmans, il est content de t'utiliser toi en tant que shaitan. Et je mesure mon mot. Min al-jinnati wa al-nas, Allah dit. Ces shayatines-là font partie et des humains et des djinns. Et on peut t'utiliser toi en tant que shaitan. Toi qui te prends pour un musulman et qui participe à la démolition des mosquées, des associations ainsi que des écoles. Je prie Allah. Je prie Allah et dites amin, chers frères et sœurs, que Allah s'occupe de ces musulmans ennemis d'eux-mêmes qui participent à la démolition des mosquées, des écoles. Parce que dans ces écoles, il n'y a que des enfants qui veulent apprendre. Tu as une rancune, tu as une jalousie, qu'est-ce que tu as? Un ennemi t'utilise en tant que suppôt, en tant qu'instrument pour venir démolir. Je prie Allah. Fallahumma alayka haybihim ya Rab. Allahumma kfinihim. بما شئت يا أرحم الراحمين اللهم عليك بهم يا رب العالمين يمبري الله كي سوكيب دو فو فاللهم اشغلهم بأنفسهم يمبري الله كي لفاس بروكيبي بار أمام باسكو تي فو ديمولير بار تا رونكون تا فانجونس كالله سوكيب دو توا Et qu'Allah préserve les enfants des musulmans. Qu'Allah préserve ses frères et ses sœurs qui agissent pour le bien de cette umma. Et je te donne un rendez-vous. Non pas au tribunal de ce monde. Je te donne un rendez-vous le jour du jugement où Allah tranchera entre chacun. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Ce jour que ni enfant ni argent ne te sera d'aucune utilité, sauf celui qui vient avec un cœur pur, un cœur saint. فَاللَّهَ مَدْعَنَا مِنْهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Et on prie Allah qu'on fasse partie de cela. Le message est passé. Et on demande à notre umma une autre fois, qu'on se réveille, la main dans la main, jamais, jamais dans cette vie, tu ne pourras œuvrer sans épreuve. Jamais. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ فَاللَّهُمَ اجْعَلْنَا مِنَ الصَّادِقِينَ أَلِفْ لَام مِيم Les gens pensent-ils dire en croissant qu'ils soient éprouvés? Certes, Allah va les éprouver, comme ceux qui l'ont été précédemment. Allah sait qui sont les véridiques et qui sont les menteurs. Et on invoque Allah qu'on fasse partie des véridiques sur cette terre. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون On va vous éprouver par quoi donc Allah dit La peur, la famine, diminution des biens, des récoltes, des êtres, c'est-à-dire la mort. وبشر الصابرين annonce la bonne nouvelle. À qui donc aux persévérants, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ Quand un malheur les touche, ils disent, nous sommes à Allah, et c'est vers lui qu'il est notre retour. C'est vers lui que nous retournons. إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Une pensée à notre très cher frère Karim. فَاللَّهُمَّ ثَبِّتْ فَاللَّهُمَّ قَوِّهِ فَاللَّهُمَّ انصُرْهُ عَلَى مَنْ عَادَاهُ On prie Allah qu'il le fortifie et qu'il le fasse vaincre sur celui qui est injuste envers lui et qui l'a traité injustement. Fallahumma alayka bihim ajma'ina ya rabb al-alamin 'ala adh-dhalimin kulluhum. Allah, que Allah s'occupe des injustes. L'injuste, on ne peut le tolérer. On ne peut tolérer l'injustice sur cette terre. Je l'ai souvent rappelé, jamais il n'y a de paix sans justice, jamais. Fallahumma thabbitna ya arhamar rahimin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله capable of everything we should never feel afraid of anything as long as we follow his guidance all the way